Bienvenue dans le tuto. Aujourd'hui, nous allons essayer. Je vais pas dire qu'on va vraiment le faire, donc nous allons essayer de faire. J'ai préparé des éléments ici pour les modélages. Je sais bien que je suis prêt pour l'instant. Vous n'êtes pas encore prêt pour le faire. Donc ça, je m'adresse aux tous ceux qui regardent mes tutos. Donc pour l'instant, dans notre tuto, on est arrêté dans le maillage. Donc, magnétique, ici, nous n'allons pas toucher dans les animations, dans les animés. En fait, tout ça, c'est la majorité des choses que j'ai déjà expliquées ici. Donc, ça, c'est pour aller jusqu'à la fin, aller au début, tout début, jusqu'à la fin, reculer dans le petit pas, dans l'avancement du grand pas. Ici pour player. Donc tout ça ici c'est pour mettre le son. Donc on l'active là pour le son. On l'active là. Ouais, on l'active quelque part là. Là dans le. Là c'est la même chose en fait. Donc le son. Et nous avons encore quoi? Dans les animés, voilà. Donc, en fait, il y a des choses que je n'ai pas encore expliquées vraiment en profondeur, mais on va les prendre au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre programme. Donc, simuler. Simuler, nous avons surface tissu, outil cache, dynamique. Dans le dynamique, nous avons déjà appris quelque chose dans le dynamique, hein. Et dans les gravité, rotation, turbulence, ventilation, déviation, tout ça, nous allons le mettre. En fait, nous allons les prendre. Par exemple, dans le métier, moi, j'ai pu. Comment dirais-je? J'ai créé, par exemple, je vais pu faire une chose rapide dans le métier, mais voilà. Par exemple, j'écris les noms. Je vais dans les mots graphes. J'écris lettre F. Voilà, je vais essayer d'écrire F. Donc, voilà. Lettre F est là. Je cherche le fond. Je vais essayer un peu de mettre le fond un peu plus avancé, un peu plus grand pour que j'arrive à faire ce que je vais vous montrer avec les émetteurs. Donc ici j'essaie de donc, voilà. Donc ici je vais chercher la lettre qui est un peu plus grand. Non, pas celui-là. Que je cherche moi avec qui monte un peu voilà je mets cette lettre là enfin, je mets lettre B voilà là j'ai inséré lettre B je vais avancer l'extrusion il avance un peu comme ça voilà. Donc, si vous regardez, elle est là. Je vais l'activer mode C. Donc, ça veut dire que je peux. Là, il est là. Il est séparé en fait. Excusez-moi, je l'ai converti. Je vais qu'il un peu comme il était avant. Voilà, c'était comme ça, voilà. Donc ici, convertir à objet, voilà, c'est ça que je voulais en fait, tout le reste là, cassez-vous. Donc ici, dans le mode objet, hein, j'ai la couvercle, et là, j'ai le découvercle en fait. Si je vais là-bas ou ici, voilà, et que je sélectionne, je peux enlever les couvercles en fait. Le couvercle, je peux l'enlever aussi. Là, qui est là derrière, je peux l'enlever. Donc, voilà. Donc, ce couvercle-là. J'ai enlevé les couvercles et après, regarde,
Donc je vais juste vous montrer dans le simulateur, dans le simulateur, je vais ouvrir les mêmes et Emeter. Donc regarde dans le Emeter, je l'ai. Il est où? Rotation. Je le mets 89 comme ça. Mais de toute façon, Emeter. Emeter rotation. Voilà, il est là. Emetteur, il est comme ça, en fait, il fait monter des substances. Mais ces substances, quand on fait les pulvérisations, on voit du tout rien. Attendez, je vais aussi faire comme ça. Quand on fait les renders, on voit rien. Là, dans les renders, on voit rien. Aussi, un peu, je vais mettre le background. Là, on voit rien. Donc, je vais essayer de créer des sphères comme ça. Des sphères, mais pourquoi en fait petites sphères, des sphères comme ça, voilà les sphères, et ce que je vais faire, je vais prendre, donc attendez, je vais prendre les sphères, je vais les introduire dans les. Je vais prendre les sphères et introduire dans l'émetteur. Donc voilà. J'essaie de faire les zooms. Si nous regardons, nous voyons, regarde. Moi j'ai créé les sphères. Hein, je l'ai introduit dans l'émetteur. Donc en fait, comme si je le dis, l'émetteur prend ses boules, remplace-les dans les traits, les petits traits là blanches qui sont là. Donc, vie, ils sont 10. Moi, je peux les mettre 20. 20. Je sais pas. Voilà. Pour ça, jusqu'à là. Donc, si je fais les rendez, il n'y a rien du tout dans les rendez. Donc, je vais avancer ici. Voilà. Regarde, il y a beaucoup de sphères. Faire un lit, ouais, il y a des sphères partout. Je vais faire un lit, il y a des sphères, donc émetteur, pyramide, cône, il y a des sphères qui sont là dans notre lettre en fait. En fait, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on prend l'effet qui est là, on essaie de mettre une dynamique, il est activé, il s'est activé ici, là, il est désactivé, donc on essaie de faire une chose pour voir si ça va vraiment fonctionner, et ici on les active, on met le système collision, enfin, on fait comme ça. On essaye une fois de voir si ça va fonctionner. On va le mettre comme ça. Ça passe. Au lieu de monter, lui descend. Donc, ce que moi je vais faire. Ce que moi je vais faire. Je vais. Voilà. Qui est ça en fait. Désactiver. Donc, boule aussi. Le mettre dans boule. Voilà. C'est une fois de faire comme ça. Ça passe toujours. Donc, en fait, je voulais vous montrer comment créer les émetteurs, excellent, mais j'ai essayé de compliquer, mais ça. Bon, c'est pas grave. Mais pour voir les effets, il est là. Donc, vous pouvez changer de direction, donc durée de vie, vitesse, vous pouvez faire une rotation, bien regarde, une rotation, si vous faites un fait de pause et vous prévisualisez, donc il est là, toujours dans les sphères, si vous voulez variation, vous essayez de mettre, de changer les variations en fait.
Ta jante, afficher les objets. Là, là, on voit des objets. Un instantané. On fait les objets. Voilà. Là, donc il sort et il descend. Si par exemple nous avons mis un sol, on crée un sol ici. Un sol là. On fait par exemple lui, on le fait monter là. Il sort là. Et on les. On a grandi en fait les trucs. Moi j'enlève les. Voilà, je l'ai enlevé, mais quand il était là, regarde, et en fait, c'est comme si la force de pesanteur, au lieu de monter, il monte, mais il a la tendance de descendre. Ça, c'était ça. J'essaie une fois de l'enlever. Je peux aussi le prendre et le faire comme il est là, comme il était là. Je le tourne. Et en fait, je le tourne comme ça. Comme ça. Qui descend comme ça. Là, je le tourne et descend, mais je dis à ce monsieur là que quand les fers arrivent, ne les laisse pas passer comme le corps rigide et je le mets désactivé. Donc il est là, plan dynamique, mais désactivé. Là, quand les fers descendent, les sphères passent parce qu'il n'est pas activé dans les sphères. Donc, je vais le mettre en connexion avec les sphères. Et par dans les sphères, je mets activé. En fait, j'avais même des polygones. Non, maintenant, je vais l'activer seulement dans les boules. Regarde, les sphères, il est là. Je fais comme ça. Il faut qu'il monte un peu haut pour qu'il donne un peu la sensation d'original. Comme ça, regarde les boules. En fait, la variation, il y a des boules grandes, petites, ils tombent. Vraiment, c'est trop bon. C'est trop bon quand tu fais des effets comme ça. Ce plan-là, ça peut être aussi, comme je viens de le dire, ça peut être aussi. Comme c'est une chose pareille, hein. Donc ça, c'est seulement des petits notices. Ce n'est pas du tout notre cours, mais je vais juste vous donner envie, en fait, de travailler avec ce programme. Parce que c'est vraiment bien. Je fais comme vous venez de l'apprendre. J'enlève ça. Et je prends cet effet-là. Je l'active, en fait, à cube. Donc, regarde. Il ne sort pas. Non, 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 non. Ils ne sont pas. Il a la tendance de rester là en haut. Donc, ce que je vais faire, toi tu peux aller, toi tu peux aller. Donc, ouais, il a la tendance de rester là en haut parce que moi j'ai effacé en fait les. J'ai mal effacé en fait les. Fermer les trous. Je le ferme. Fusion. Fusion. Non, sélectionner. Fusion. Ici, là, dans le premier. Là, celui-là. Là, celui-là. Je le fais. Hein, je le fais comme ça. Je le soulève. Et en lui. Lui là, je fais ici, comme ça, voilà. Donc, lui, il va passer, mais quand il va arriver ici, là,
égal, voilà, on va essayer. Donc, c'est pas comme ça que je voulais, mais bon, ça c'était l'émetteur. Hein. On va essayer de structurer un peu plus tard ces effets. Donc, voilà, c'était l'émetteur. Voilà, on a les parties attraction, nous allons les déviations, pardon, turbulence. Donc, il y a les choses ici qu'on va prendre. Donc, moi j'essaie un peu de vous montrer des choses que moi je connais un peu plus. Pour vous donner vraiment envie, même les cheveux, on va les prendre aussi. On va les faire Randy. J'ai déjà expliqué quelques morceaux ici des Randy. Ça, par contre, je n'ai pas dit. Sculptile, division. En fait, ça, il y a vraiment un programme spécialisé pour faire ça, en fait, des sculptiles, sculptiles. En fait, si j'insère ce programme-là, avec ça, en fait, il y a des... Normalement, il y a un logiciel qui s'appelle ZBrush. Il utilise cette sculpture. Donc, avec ça, on peut créer beaucoup de modélisation. En fait, vous pouvez changer, donc, si vous voyez ça, vous pouvez, en fait, par exemple, c'est un boule, vous pouvez faire des modifications d'un objet ici, comme dans les ZBrush. Qui connaît ZBrush, et c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez regarder ZBrush, donc ZB, ZBrush. Donc Z avec brush, brush c'est brosse quoi, voilà, c'est ça. Donc division, ça je le fais pas, donc j'ai pas envie de le faire, faire les ZBrush, voilà. Après donc nous allons ça, nous allons lui, voilà, vous avez, il est là. Donc vous pouvez prendre tout ça et vous arranger en fait. Sélectionnez la place, il est là, regarde le placement, vous pouvez en fait modifier les donc il y a les couteaux, il y a vraiment beaucoup de choses ici que vous pouvez faire déjà, mais moi j'ai pas envie de toucher, c'est que ça pour l'instant, je dis pour l'instant parce que j'ai pas envie, donc voilà. Donc, pour ça, c'était le pinceau. Ça, c'est masque. Donc, voilà. Maillage, projet. Ça, et nous avons les mots graphes. Voilà. Donc, normalement, voilà, on a deux minutes. Donc, nous allons travailler maintenant dans les mots graphes. Dans les mots graphes, nous avons les effets. Normalement, moi, je ne connais pas tous les effets qui sont ici. Donc, je dirais que je vais juste montrer les choses que je connais bien. Juste que je connais bien. On va commencer effet groupe. Effet groupe, effet groupe, effet groupe. Donc, je fais comme ça. Quoi je voulais dire? Bon, je fais comme ça. Non. Je vais comme ça. Donc, on est ici hein, dans les mots graphes. Hein? Mais pour insérer les. C'est lui, il est comme effet. Donc, il nous faut le préparer pour travailler. Donc, je fais comme ça. Comme ça, voilà. Il est là. Je vais mettre, disons, voilà, il est là. Je sais pas s'il a fait. Oh. Bon, c'était pas ça que je voulais en fait. Je fais comme ça, c'est la même chose. Et non, 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 non. Plein, voilà.
A, c'est quoi? Z, Z, Y. Z, Y. Il voulait normalement qu'il soit comme ça, mais bon, ça me fait quelque chose. Allez, donc, c'est pas grave, je vais juste faire la rotation. Voilà. Mais, comme ma rotation, je l'ai pas fait dans le point exact. Voilà, ma rotation, je devais le faire ici. Voilà. Donc, j'ai une chose pareille. Donc, dans les mots graphes, voilà. Oh, je peux même écrire, hein. Ça change rien, hein. Regarde, je peux même venir ici. Mon graphe, je mets tester mon graphe. Tester mon graphe, ça dit quoi? Bon. Je l'ai fait déjà pour que vous ayez dans la tête. Tester mon graphe. Donc, j'ai essayé de tester celui-là. Je l'active comme ça, regarde. Chaque test, il est comme ça. Donc, ça, c'est test. Voilà. J'ai fait mon projet standard comme voilà. Et après, je vais mon graphe effecter group. Voilà. Donc d'abord, je sélectionne. Je mets effecter group. Pour l'instant, je vois aucun changement. Hein. Effecter group. Je peux même l'introduire dedans. Je vois pas, je vois aucun changement dans l'effecteur. Bon, même si je fais des effets, je vois rien. Regarde, dans l'effecteur, il y a rien. Et débit, je mets 100. Regarde, il y a sélection. Je mets là. Effecteur, voilà. Il y a rien, regarde. Il y a aucun changement. Je le fasse. Je retourne encore. Toujours mon graphe. Mon graphe, j'ai mon texte là. Je vais le mettre tout au milieu. Voilà. Donc, mon texte, je vais supprimer les parenthèses. Non, non, là, et supprimer les parenthèses. Voilà, j'ai une chose pareille. Hein. Donc j'ai mon i à côté, tout à côté. Donc j'ai mon graphe. Après quoi? Après, je viens là. Simple. Hein? Là, je connais pas vraiment du tout ce que ça veut dire. Bon, je peux pas forcer la nature. Simple, regardez quand je mets simple. Simple, il est là. Simple, il est un sacré carré qu'on va aller. Regarde, simple. Color, déformation, je mets objectif. Problème. Non. Mais objet atténuation, je mettrai sphère, non, je mettrai un carré. Donc voilà, je mets boîte pour voir comment elle va déformer notre c'est cylindre cône sphère. Voilà. Ici, c'est effecter. Effecter, bon. J'essaie un peu de mettre comme ça pour voir comment ça va être. Ici, c'est rien. Donc, si je tire comme ça donne pas des effets, en fait. Je vais essayer de soulever mon test. Bah. Et le fruit là. Voilà. Pas de changement. Là, pas de changement. Paramètres. Pas de changement. Échelle. Pas de changement. Rotation. Pas de changement. Donc,
J'ai déjà travaillé avec mon gaffe. Je connais l'effet qu'il fait, hein. Je connais l'effet qu'il fait, mais ça. Donc en fait, vous voyez comme il est là. Il prend les choses qui est en bas, il les soulève en haut. Donc je vais essayer de remodeler mon texte en fait. Mon texte. En fait, je le laisse comme ça. Mon texte, voilà. Fêter. Donc je sélectionne bien. Global message effet, donc je prends mon graph, sélectionne bien et je mets effet. Donc effet, donc si je vais là dans le mot graph, j'ai mon effet qui est là. Du coup, si vous regardez dans le mot graph là, le mot regarde, il est soulevé. Regarde, d'abord il était là. Quand j'ai sélectionné, hein, j'ai inséré le facteur, là il soulève. Donc, voilà, ça commence, regarde. Ça en fait, c'est la distance de soulèvement. Paramètres. Ça, c'est la distance aussi, qui est là. Donc, position, je laisse comme ça. 100. 100, moi je dis 100. Échelle, tu mets une forme et tu mets 10 semelles. B. Donc il regarde, il est comme ça. Quand il arrive ici, il faut qu'il change. J'enlève l'échelle, voilà. Déformation, objet. Ici, il est 0. Quand il lève, il change. Mon graphe. Axe est bien. Donc, voilà. Atténuation. Donc, je vais mettre une boîte. Voilà. Regarde l'effet qu'il fait. Donc, quand lui, il passe, on peut même mettre l'effet. On sélectionne l'effet là. On active. Jusque là. Qu'il commence là, là il commence là, là il commence là, jusqu'à ici, il vient, voilà, donc regarde l'effet qu'il fait, regarde, passe. Je vais faire ça, c'est rapide. Donc, voilà. Ça, c'est mon graphe. Donc, voilà. Atténuation, je mets grand. Ici, voilà. Ici, voilà. C'est comme ça. Et c'est parti. S'il n'y a rien, atténuation, il n'y a rien. Rien. Fluence. Ça les finance. Comme bien le voit ici. Si je peux faire un vex. Elle va quand elle est en haut. Vous faites un vexe, ça commence à partir d'en haut et il fait descendre en bas. Intensité. Donc ça c'est atténuation. Donc je vais essayer un peu d'être vite parce que on va tout ça on va les répéter dans les tutos. Donc nous avons vu ça. Donc, nous avons encore ça. Nous avons encore ça.
Ça, voilà. J'essaie déjà ça pour ne pas avoir des... Dans mon graphe, et bien sûr, nous avons café, effet café. Ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Je sais pas, mais je vais. Donc, si vous sélectionnez bien, vous venez dans les lettres, vous allez voir effet. Donc, dans les effets, quand vous sélectionnez, il faut vraiment bien sélectionner et café. Si vous retournez là, café, vous allez voir qu'il active en fait les effets dans les choses que vous avez sélectionnées. Donc, ici, je vais. Le mettre comme ça. Donc, le café, quand il n'était pas, regarde les tests, il était là en bas. Maintenant, le café est venu, les tests sont montés. Je sais pas si il a le même effet avec le capsule cylindre. Regarde lui aussi. Donc, presque il a le même effet avec. Avec ce qu'on vient de mettre là, avec mon graphe simple. Donc, café, c'est à la même chose. Donc, maintenant, effet delay. Donc, effet delay, c'est quoi? Attendez, je vais regarder. Effet delay, ça tourne. On regarde. On sélectionne l'objet qu'on veut mettre effet. Et on parle là-bas, effet delay. On applique. On regarde ceci, delay là. On désactive celui-là. Délai, il est là. Délai. On regarde délai. Effet de café, je l'enlève. Délai, il est là. Quand délai n'était pas là, il n'a pas changé. Délai est là. Le test n'a pas changé. Voilà. Atténuation. Cylindre. Boîte. Pas d'effet. Pas d'effet. Normalement, il a son effet. Mais ça manque juste de savoir comment l'activer en fait. Donc, comme pour l'instant, je ne connais pas. Je n'ai pas encore utilisé Polygon. Je l'applique là. Polygon. Donc, avec les délais, je n'ai pas encore eu des pratiques avec. Donc, voilà. Je ne vais pas forcer. Effector formule. Donc, je vais faire comme ça. Parce que normalement, ça marche avec les cloners. Je l'insère dans les cloners. J'insère en fait dans les cloners. Et dans les cloners, je sais en fait de faire. Non, non, je laisse comme ça linéaire. Voilà. Je sélectionne parce que lui aussi il a l'endroit dans l'effecteur. Ici, je peux recommencer dans l'effet de café là pour voir, regarde le café, il est comme un café, comme on regarde, café, il est comme simple. Café simple, c'est presque la même chose si on regarde, ça fait des effets si on active des atténuations, on met cylindre, on met boîte, café, regarde. Voilà. Là, ça fait des effets comme ça. Donc, ça, c'est du café. Puis, je sélectionne mon graphe. Délai. Délai, en fait, ici, je ne vois pas du tout. Voilà, je ne vais pas forcer la nature. Délai, je ne vois pas. Effet. Effet. Voilà. Moi, j'aime les effets comme ça. Quand vous l'insérez, lui aussi, il prend le jus dans les effets. Là, si vous essayez, vous allez le voir, il est là. Voilà, ça c'est sa manière de fonctionner en fait. Donc je vais tourner là.
là les atténuations, et vous allez voir comment les effets. Il est là, quand je viens là, je sais, il est. Voilà. Boîte. Voilà. Donc ça unit tout dans la même place. Cette densité, voilà. Je vais diminuer l'intensité, je vais tout. Déformation, polygone. Voilà. Là, ça déforme, mais ça monte. Dans la déformation, il est ici. Et c'est pourquoi, quand on sélectionne, en fait, l'effet. Voilà. Quantité, diminuer, descendre. Voilà. Donc ça, l'effet est formé. On enlève. Ouais, je mets aussi les séries ici pour voir une formule. Là, ici, là, ça change. Donc, ça grandit, ça fait une formule. Donc, ça, chaque fois, ça grandit, ça descend. Donc, comme il est ici, zigzag ici, voilà. Donc, je fais terre, heritage. Heritage. Je vais essayer, par contre, de sélectionner. Sélectionne-là, mon graphe, et faites Heritage. Donc, Heritage, dans les déformes, je mets Polygone, Atténuation, je mets Boîte. Ça, c'est. Je mets pas des effets, donc. Y a normalement quelque chose que ça devait marcher, donc il faut savoir lesquels. Donc, dans les paramètres, on voit Position. Qui ne fonctionne même pas, donc laisse tomber. Effet intensité, effet 100%. Objet, donc je prends un objet que je veux bouger, qui est cloné, je le trouve de là. Direct, et on fait le mouvement. On fait, on active. Move for the object animations. Direct animations. Attends. Animations we form. Voilà. Sélection. Voilà. Pas d'animation basée à l'atténuation. Pas d'animation. L'atténuation ici. Je vais aller. Ah, voilà. Il y a normalement ça qu'on peut bouger aussi. Donc, j'ai rien vu, donc je peux pas aller plus loin, effect heritage. Donc, j'essaye aussi des Python, ça fait, voilà. Python, quand je l'ai inséré, j'ai vu qu'il m'a fait monter, donc, boîte, Python. Donc, il y a des effets ici, comme si ça prend de la même chose, regarde, Python, comme un serpent. Là, comme un serpent. Voilà, Python. Donc, ce que moi j'ai rendu compte, donc simple, coffre, Python, ont des effets presque la même chose. Regardez, donc si vous regardez, les effets c'est vraiment la même chose. Vraiment la même chose. Donc, les commandes aussi, je n'ai pas encore regardé les commandes complètes, donc je n'ai pas regardé les commandes, mais si vous regardez dans les commandes là, vous allez voir que leur commande aussi c'est presque la même chose. Donc, je sais pas, j'ai pas encore regardé, mais regardez.
Voilà, et je vais essayer. Là, ça donne pas les effets. Donc ça, c'est le changement de la commande paramètres. Là, je mets les paramètres, ça change. Donc, d'accord, allez, c'est ici. Ça change. Ah, ici. Parce que c'est le welcome to the world of Python, c'est vérité. Ça change. Donc, d'accord. En fait, ça change selon la position. Je mets 0. Voilà. Voilà, et que je mets, voilà, ici, je mets rotation, je mets par exemple rotation 10. Là, ça c'est échelle. J'enlève l'échelle. Je mets rotation 20. Donc, je mets 4 degrés, donc il est là. Là, il change donc la hauteur. Regarde. C'est vraiment merveilleux, regarde comme il change, il tourne. C'est vraiment trop bon en fait. Je peux aussi changer ici 90. Je mets tout 90. Si je veux me mettre plus, comme ça. Échelle, échelle, je mets comme ça. Une forme, je mets 2. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ah, c'est ici en fait qu'on faisait les trucs là. Enfin, ça vient. Ça change. Ça change, et ça change. Et là, il faut que j'aille les doubles de ce mot-là pour que j'ai réussi à faire ce que je suis en train de penser. Donc, je vais mettre ici 10 comme ça pour qu'il monte un peu. Regarde. Donc, je me remets à 0. Quand il change, il bouge en fait. Position, la même position, je mets position 200. Pas haut. Donc, je mets position 30. Et là, je change. Donc si je les mets dans le lettre comme ça aussi, je l'applique dans le lettre. Et là, non. Je mets lettre. Et que je sers aussi Python. Je vais là. Ici. Non, mais je ne sais pas. Rotation. En fait, il fait des rotations comme il veut. Comme il veut. Voilà. Après, je viens ici. Je le mets Python. Non, je mets what? Voilà, donc quand je regarde, il change en fait les lettres comme il dit. Mais l'animation atténuation, je le mets 100%. Il fait un peu les choses. L'information, polygone. Et voilà, ça se fait beaucoup vite. Voilà, ça tourne pas beaucoup, mais ça fait un peu de fil. Alpha Z. Donc voilà, ça, on va plus loin, on va rester par ici, quoi. Visible aussi. Ça vient, ça, quand ça part, ça retourne. Voilà. Donc ça, c'était Python. Et on enlève pour aller un peu plus loin. Donc, je sélectionne l'objet que je vais activer, le fait, et je mets effet random. Ça, j'aime beaucoup. En fait, ça bouge. Voilà. Quand je l'active. Je mets polygone, non, je mets boîte, ça les prend, regarde. Donc ça les bouge partout, brrr. Ça les bouge en fait. Store, ça les bouge.
FF, dose, fer, ça bouge aussi. Sens. Comme ça bouge, et là, comme ça bouge. Ça, il n'y a pas d'effet dégradation. Rotation, finition, comme ça. Continuation. Ouais, ça tourne vraiment mieux, quoi. Effet. Attends, je vais essayer d'agrandir le fer 500, 500, 500. 500, 500. Alors, je vais essayer de regarder dans ce tourné dans les sphères. Voilà, ça c'est les random. Donc ça tourne et fait. Attends, regarde, il est là l'effet. Je mets tout bien. En fait, ça, lui, ça fait seul. Regarde, j'active. Ça tourne sans que je le touche. Index global, ça bouge moins, beaucoup, paramètres, en fait ça ce sont les déplacements, si vous voulez mettre une rotation, c'est à vous, hein. Ça tourne, maintenant, puis descendre, si je mets moins 900, ça bouge un peu, ça tourne, l'échelle, comme ça, ça grossit, ça diminue, ça donc, il fait des zooms, 0. En fait, c'est ça. Je la lève. Rotation. Ouais. Voilà. Donc voilà, en fait, les effets turbulents, si le mec gauche ça tourne pas, bruit ça tourne bien sûr, et trier ça tourne pas, donc turbulent, l'idée ils font automatique. Donc voilà, ça c'était randomisation, donc ça c'est. Ça c'est quoi? Ça c'est la même chose aussi si vous voulez colorer votre quoi? Non, regardez, si vous voulez colorer votre élément. Par exemple, je mets effect material. Donc, regardez ici, c'est blanc. Tandis que moi, j'ai pas demandé le couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ces couleurs-là. Je vais changer couleur. Voilà, je fais comme ça, voilà. Donc, je mets Freename. Dans le Freename. Ici, je vais mettre comme ça. Et ici, voilà, ici, là. Ici. Et là je vais mettre comme ça, donc j'essaie de travailler avec deux couleurs, voilà, donc je travaille comme ça, donc avec deux couleurs je retourne, j'ai mes deux couleurs ici, donc avec le freinet, donc je les applique dans les, regardez. Il a des couleurs, regarde. Je sais pas, mais ça donne des effets un peu comme ça, quoi. Voilà. Mais normalement, avec ces programmes, si je mets la couleur, déformation, polygone, paramètres et couleurs activés, voilà.
Donc, dans les coordonnées, on brasse, on définit seulement l'arrière. Non, c'est ici, là, voilà. Donc là, je vais venir coller mon graphe dans les shaders. Hein, c'est vraiment shader. Donc, il est là, mais c'est multicolore, même shader, caméra, multicolore. Je l'applique et que je mets là. Ça, c'était là. Là. Et ici, je mets ce couleur. Donc, quand je fais comme ça, donc ici, matière du canal. Transparent, luminosité, normal, perfection. Perfection de tester, je prends les couleurs là et je la dépose là. Donc quand je mets en render, regarde, bon, maman regarde ici le couleur blanc. Et le couleur blanc. Donc, voilà, définir les matières. Si je fais comme ça, il n'y a pas de matière. Si je fais comme ça, je mets mon graphe, multi. Normalement, comme j'avais déjà demandé les fenêtres, ça allait me donner les fenêtres que j'avais mis là-bas avant. Et quand moi je ne vais pas utiliser comme ça, je mets les couleurs. Hein, les couleurs, j'utilise mon objet. Donc, je lui dis d'utiliser ces couleurs-là, qui est là. À l'atténuation, je mets une boîte. Là, regardez comme il est, voilà, comme ça. Les couleurs que j'ai mis là-bas, l'enlève en fait, effacer, freiner, je laisse freiner comme ça et je le mets. Il y a des couleurs, bien sûr, dans les fenêtres. Lui dis d'utiliser le mot graphe multicolore. Prendre le mot graphe multicolore. Là. Je lui mets fenêtre et dans les fenêtres je le change de couleur en fait. Oui, je prends, non, je vais tourner là, je vais tourner. Voilà, j'ai des couleurs. Bon. J'ai mon noir et blanc qui est là comme couleur. Mais normalement, ce que moi je voulais, quand je viens là, le shader, l'ombrage, qui me montre ça, voilà. Voilà, malheureusement, je n'ai pas les effets que je voulais. Mais on va travailler sur ça après parce que je n'ai pas le temps de tout vous montrer maintenant parce que ça prend vraiment du temps. Et voilà, couleur activée. Donc voilà. Ça, c'était les matières effets. En fait, lui, ces effets, c'est aussi une bouge, une mouvement, tu vois là. Donc, mais avec des couleurs, hein, il est vraiment un bon programme pour la colorisation. Donc, effet, son. Oh, là, le son, ici, j'ai déjà travaillé avec ça, si je ne me trompe pas, effet. Alors, il faut que je cherche les fichiers son. Les fichiers son.
Là, j'ai activé les fiches son. Ici. Ici, j'essaie un peu de mettre 300. 0. Donc ici, les fichiers sont même pas où qu'ils sont. Je prends ici, moi, je le pose là. Compression. Donc, c'est vraiment ici où il fait les graphiques des sons. En fait, il fait Donc là, moi, je mets les lectures. J'écoute les sons, utiliser le filtre. Moi, j'écoute les sons. Donc, je ne sais pas comment. Je sais pas si vous allez écouter les sons. Mais moi, ici, j'entends les sons. Voilà. Boîte. En fait, lui, il déforme les visibles. Lui, il déforme en fait. Ici, ça commence, ça se déforme en fait avec les finitions paramètres. J'ai déjà travaillé avec ce programme, mais je sais plus comment. Et voilà. Il y a des fois les choses simples, pratiques, ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est des formations visibles, je fais. Comme ça, visible, on s'enlève toujours. Les formations polygone atténuation, j'ai déjà fait boîte ramp animation base coordonnées effet. Par étape, voilà, je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, si vous regardez là, ça bouge. Hein, les sons, ça bouge seulement ici. En fait, je vais faire comme. Non, non, pas comme ça en fait. Ici, si vous regardez, vous allez voir que les sons se bougent. En fait, je vais soulever. Là, je fais comme ça, voilà. Comment je vais faire? Regarde, je vais changer en fait les cônes là. Voilà, je fais comme ça. Je vais les modifier. Comme ça. Voilà. Qui deviennent des baguettes, petites baguettes comme ça. Voilà. Comme ça. Et moi, ce que moi je voulais, il faut qu'il travaille en étapes. Donc, je vais mélanger les effets ici. Avec l'étape. L'étape, il est celui-là. Voilà. Là, il travaille en étape vraiment. Si vous regardez, vous allez voir que ça prend là. Type. Adouci, glace, esprit, linéaire. Voilà. Donc, on met le son. Regarde sa bouche. Donc, si je vais tourner là. Il fait des sons. Je veux pas qu'il tourne. Moi, je veux qu'il commence à monter dans les Z. Pas tourner comme ça, mais qu'il monte seulement aux Z. Comme ça, je l'enlève. Et voilà. Attendez. Donc, comment je vais faire ça? Jusqu'à 100.
effet, décalage des frames 10 par étape. Je fais comme ça. Bye. Et là, il bouge. Tant, tant. Voilà, donc ça, c'est les sons. Et je ne peux pas travailler avec parce que. Ici, dans les déformations, le polygone là où je pouvais travailler toute cette longueur. Et voilà. Le petit carré là, jusque là. Essayez de voir si ça change tout. Et voilà, clone. Voilà, clone, c'est bon. Lecture. Objet. Itinéraire linéaire, voilà. Quantité. Normalement, elle devait faire étape par étape, mais je sais pas. What? Voilà, donc comme ça, il devait faire étape par étape en fait. Juste, non, 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 non. Ça, il faut que j'active l'outil volant. Polygone. Il y a l'effet là-bas qu'on devait activer. Dimension. Carré index. Boîte effet. Il y a normalement les paramètres du turbulent là, mais bon. On utilise avec ce qu'on a, hein, voilà, on peut pas tout faire pour l'instant. Là, si vous regardez les paramètres, tous les paramètres, c'est presque la même chose. Donc, je vais plus bouger, on laisse comme ça, c'est vraiment étape, voilà. Et, on laisse comme ça. Là, il bouge que là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'était le fait en fait. On va travailler sur, parce qu'aujourd'hui, j'essaie juste de montrer, en fait, les effets en gros, hein, les effets en gros, ça donne à ça. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez aussi écrire pour savoir si on peut travailler sur quelque chose un peu implice. Ça, c'était l'essence, c'était effet spleen. Effet spleen, j'ai pas l'idée. Pardon. De ce que ça veut dire, donc je vais essayer de l'insérer. Spin. Donc voilà, j'ai dessus insérer un spin. Pour moi, j'ai vu rien du tout. Attention, boîte. J'essaie tout le temps de mettre les waves. Pourquoi? Parce que j'ai un peu de la facilité à travailler avec ça. Quel autre? Voilà, boîte. Déformation, polygone, paramètres, absolus, spline. Tandis que si j'ai même pas des splines pour travailler, donc,
Il n'y a pas d'esprit en fait. Voilà, réel. Donc j'ai pas les réels ici. L'actif c'est laissé là, dedans. Ampère. Voilà, je vois pas des effets en moi. Donc ça, effet des spleen, je les casse, donc je passe. J'ai effet des spleen. Étape, c'est celle qu'on vient d'activer. Hein. Étape, il est là, donc étape, c'est l'effet. Par exemple, ça, je veux que ma déformation oh, soit en étape, donc ça commence là. Donc en étape, quoi, il y a en étape. Donc ça commence là et ça monte. Ici, on peut changer si vous voulez linéaire carré, si vous voulez linéaire cube, linéaire et là, ça veut linéaire. Donc, là, c'est là comme une ligne. Ici, vous pouvez bouger en fait. Et ici, vous voulez bouger comme là. Voilà, spin, je voilà, ici, vous pouvez bouger. Voilà. Donc ça c'est l'esprit. Donc ici vous pouvez travailler, donc ici vous pouvez changer faire position si vous voulez qu'il positionne dans l'autre sens, vous voulez qu'il positionne dans l'autre sens, donc voilà, vous voulez qu'il tourne aussi, c'est vous. Donc en fait vous avez mis les chances de faire votre travail selon la nécessité en fait de ce que vous voulez. Des formations, si vous voulez pour le monde, vous pouvez laisser rotation, mettre lumière, boîte. Si vous voulez faire des effets comme ça, selon la musique, regardez parce que la formation se commence jusque là donc. Par exemple, vous voulez faire une chose pareille, donc voilà quoi. Comme les zooms, quand il arrive ici, il fait les zooms. Voilà. Les spleen, cubic, ça dépend en fait, tout ce que vous voulez. Donc, moi je continue dans les boîtes. Si vous voulez les sources, si vous voulez linéaire, voilà, vous voulez capsule, etc. Donc voilà, ça c'était les effets comme effet d'étape. Donc étape, voilà. Donc mon graphe effecteur, nous avons effecteur cible. Voilà, effecteur cible, je n'ai pas vu le changement, mais objectif cible, je prends objectif cible, je pose cible. Objectif, voilà, et je l'active. Donc les cibles, quand je l'ai activé, vous avez vu qu'il a tourné. Je prends encore objectif cible, je viens jusqu'à là. Voilà. Les séries latérales, donc objectif cible. En fait effacer, voilà, point vers les caméras, nef. Donc, normalement j'avais utilisé une chose avec ça, objectif cible. Donc lui en fait il regarde où se trouve dans le point fixe, donc cible, il regarde où vous le positionnez. Si vous voulez qu'il regarde, par exemple, le soleil, vous mettez l'objectif cible et le soleil, donc tous toutes les formes qui se trouvent dans le plan de travail, il va vers
les cibles que vous voulez et qui regardent. Donc, fait, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, moi, je vais pas faire d'autres pistes. Hein. J'ai déjà fait ce qui est le mieux. Donc, voilà. Donc, voilà. Je continue. Effet cible, c'est fait. Nous avons effet de temps. Voilà, effet de temps. Effet de temps. Donc, je viens, il a tourné les rotations. Bien sûr, je vais ici, je vais mettre radial. Radial, j'aimerais bien que mes, lui là, qu'il soit un peu comme ça. Voilà. Voilà. Comme je dis, il fait du temps. Il fait de ce sens-là. Atténuation, capsule, comme d'abord. Non, je vais mettre une boîte. Comme d'hab, boîte va passer. Il n'y a aucun effet qui se produit. Donc, déformation, j'ai atténuation, boîte, c'est déjà fait. Spline. Je vois pas aucun effet là. Je vois pas aucun effet. Donc voilà, ça c'est. Donc je prends fait. Je continue. Mais tuto là j'ai essayé de voir le temps. Bon, je sais pas comment l'utiliser, donc je vais pas forcer en fait. Et volume aussi je vais pas donc si vous regardez les structures en fait de tous les effets que nous sommes tentés ou je suis tenté d'insérer, vous allez rendre compte que c'est vraiment la même chose en fait. Vous allez rendre compte que effectuer, non, effectuer, il a rien là, effectuer, donc il a rien, c'est pour cela il faut sélectionner temps. Voilà, j'ai mis le temps, voilà, tourne, mais comme ça, voilà, il tourne. C'est comme si l'horloge en fait il travaille, il tourne celle. Donc le problème c'était pas parce que l'effet ne travaillait pas. Donc comme je disais souvent, il faut que quand vous venez ici, vous vous rendez compte que dans les effets terre, il y a l'effet que vous venez d'activer. Par contre, s'il n'y a pas, ça peut faire le fait que l'effet ne soit pas en succès. Donc ici il fait que tourner, c'est pas change, ça il monte aussi, pas seulement tourner mais monte, puis change la position, il va à côté, je sais pas, il met 50 là, il tourne et monte, il va là-bas, sur place, il tourne quand même. Mais il déplace vers là. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Il a grandi. Voilà. Donc ça, ce sont les faits. Effet de temps. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais ça ne veut pas dire que son effet, c'est toujours comme ça. Mais avec les combinaisons. Beaucoup des éléments, ça fait une bonne chose. Donc voilà. Donc effecteur temps, je sélectionne. Maintenant je mets mon graphe volume ici, j'ai vu qu'il m'a activé celui-là.
Je vois rien du tout. Je vais bien le réactiver. Je ne sais pas. Volume, 10, 50. 30 en fait. On peut faire comme ça. Les formations. Je ne change rien en fait pour l'instant. J'ai une. Je fais un complément avec ça en fait. On le fait comme ça, complètement avec celui-là. Donc, dans le volume, effet, volume d'effet, je prends celui-là et je lui donne effet. Non. Voilà. Normalement, il devait prendre les sphères là. Normalement, il devait prendre ce volume, sélectionner. Effet. Pour une atténuation. Là, je vois aucun changement, donc je peux pas forcer aussi la nature parce que je vois pas le changement, le changement en fait. Donc voilà, c'est bon, je l'efface. Et voilà, donc voilà. Donc on a presque fait tout, hein. On a juste travaillé pour voir comment ces effets fonctionnent. Si je regarde le temps, on a déjà fait plus d'un temps, donc on arrête ici et on continue. Ciao.